Bon ben voilà, ça y est, c'est parti, je suis en route pour la petite rando de 4-5 nuits, on va voir, vous avez vu la rivière, elle est quand même elle est bien forte. Hein. Donc j'espère que je vais trouver quelque chose pour poser le sac. Je vais essayer de monter mon camp ici, carrément sur le bord de la rivière, j'ai pas peur. Par contre, eh ben, ça commence plutôt pas mal. C'est voilà. Voilà. Ça, c'est fait. J'espère que ce sera la dernière. Bon ben voilà, j'ai passé ma première nuit dehors là. Ça n'a pas été facile. Parce qu'en fait je suis arrivé, ben, il faisait presque noir. Donc en plus il pleuvait, mais comme vache qui pisse. Donc j'ai eu un peu de mal à établir la bâche. Mais bon, ça l'a fait. Maintenant, il pleut plus, donc c'est cool. Ben, il va être temps de démonter. Il va être temps de démonter de façon à aller un petit peu plus loin. Là, j'ai réussi à mettre ma veste à sécher parce qu'elle était trempée. Et puis donc voilà, alors je suis vraiment en bordure de rivière, hein. On peut pas beaucoup plus près. Voilà. Voilà, toujours le long de la même rivière, je vais établir un deuxième camp. Cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir comme hier, je vais me poser suffisamment tôt. Voilà, je vais me poser ici. Il faut monter un petit peu, je ne suis pas aussi près de la rivière. Il y a un petit abrupt, comme ça si ça monte. Petite séance exploration, plutôt crapahutage parce que ça grimpe pas mal. Donc je vais là-bas. J'étais en bas là, je pense pas que ça se voit beaucoup. 200-300 mètres plus bas. Donc c'est parti, hein. On va continuer.
Alors, visite de la salle de bain. Donc, vous voyez, j'ai l'eau courante. J'ai des serviettes, du déo, du gel douche. Et le petit miroir qui va bien. Dis bonjour au miroir. Coucou miroir, comment vas-tu? Tout ça pour pouvoir faire la petite séance de rasage matinale. Alors ouais, le rasage à sec, c'est pas évident. Mais ça marche. Voilà. Bon ben, quatrième jour, ça y est, la flotte a repris, donc je me suis mis abrité sous un pont de chemin de fer. J'ai pas envie de revivre la même galère que le premier jour. Ah non, merde. Donc je sais pas si je vais faire demi-tour ou bien, on verra.